À l'huile. J'adore les bagounettes. Hop. On est reparti. Oh mon dieu, ma coquerice, elle a disparu. Quoi? C'est toi qui l'as volé. Ah, ça y est, ça accuse. Ça accuse les... Non. Je vais faire une blague par rapport au fait qu'on l'appelait Vegeta. Et du coup, j'allais dire, ça accuse les... Et puis bon, vous savez la suite de la phrase. Voilà. Pas touché à ton coquillage, j'ai moitié mâchonné. Hein? Toi, qu'est-ce que c'est cette fois? Comme ça. Ouais, c'est bien ce qui me semblait aussi. Les Saiyans, oui, voilà, on accuse toujours les Saiyans. Mais. C'est un fantôme. Tu as volé ma moule. Oh, casse tout. Waouh. Un escalier. Ici, jeune chenapan. Mon dieu, de la musique. C'est certainement important. Bon, bah, allons-y. C'est un monstre bâtisseur, c'est possible? Oh non, c'est bon. J'ai peur. Attendez, le ciel... Oui, le ciel, il est plus la même couleur. Je récupère mon petit déjeuner, mais tais-toi, Micheline. Géraldine, on va t'appeler Géraldine. Tais-toi, Géraldine. Personne ne t'aime, tu as été adopté. Encore, même les gens qui t'ont adopté, ils voulaient pas de toi non plus. T'as adopté par erreur. Tu es une erreur. On n'oublie pas de récupérer les matériaux au passage, hein. J'ai l'impression que ce petit bestiole nous fait tourner un bruit. Bah écoutez, je fais de mon mieux. Naruto! Naruto! Sasuke! Naruto! Ah! Oh, il y a des coffres! Let's go! Mais c'est un marteau qui est dessiné là-dessus. Retenu-moi juste et on te laissera partir sans te faire de mal.
Vieille ermite poilue. D'accord, très bien. Ça fait une éternité que j'attends venu d'un bâtisseur sur cette île. Petite minute. Comment sais-tu qui est bâtisseur? Oh, tu es bien perspicace, mon enfant. Vois-tu, si j'ai volé cette coquille rissée, c'est justement pour attirer ton ami ici. Et voilà, sauver le monde, tout ça. Oui, donc il me file des plans. Donc tu peux avoir des plans en plus de réfléchir à des recettes. Je commence à fatiguer un petit peu, je vous cache pas. Oh ouah. Ah oui, d'accord. Bah du coup c'est ok. D'accord, c'est ça les plans. Donc c'est en gros tu as le plan d'un truc en particulier, genre une maison ou quoi, et tu places les trucs quoi. Ok. Voilà, donc il me file les trucs dont j'ai besoin. Merci. Des bras zéro. Du coup. Ok. Non. Casse-toi. J'ai du mal à viser au début, hein, m'excuser. Comment ça je peux placer? Ah oui. Ah oui, c'est parce qu'en gros c'est pour placer vraiment au sol quoi. Ok. Ok. Y'a pas une manière plus simple de les placer? J'ai peut-être pas la technique, hein, c'est peut-être ça aussi, hein, on va pas se mentir. Voilà, c'est le port du temple de la montagne. GG Moray. Un palais, calmez-vous. C'est une sorte de mode d'emploi pour bâtisseur, pas vrai? Mais, pas me cacher, Paxel, je suis trop doué. Tu aurais dû me laisser le lire. Oui, mais sauf que ça marche pas comme ça. T'as caché un magazine dégoûtant entre les pages du livre. Putain. Ah, mais c'est pas toi qui dis. Si je fais... Attends. Si je fais ça, est-ce que ça remarche? Ah oui, mais il faut que je connecte mon téléphone. C'est vrai. Pour que mon deckboard y fonctionne. Si je fais... C'est honteux. Voilà, ça marche. Ok, bon, on va remettre le deckboard parce que ça vous a manqué, je le sais. Voilà.
Et par exemple, si je fais ça. On a dit si je fais ça. Ah, mais 100% il est pas sur cette scène-là. Bah si. Ah bah oui, scène MMO. Bah non. Console. Les gars. Voilà. Et wow. Scène console. Wow. Voilà. Si je fais ça. Voilà. Très bien. Bon. Ah oui, parce que je suis pas dans la myboard. Bah oui. Oh, je suis vraiment un connard. Attendez, je corrige mon erreur. Parce que du coup, c'est vrai que je me suis fait plusieurs trucs pour quand je suis sur d'autres scènes. Voilà, là, my board, on est bon. Voilà. Et genre, si je fais ça... Ah, attends, j'avais un autre truc, c'était le what. Voilà, c'est ça. Ouais, donc c'est Vincent Vega. Vincent Clos Vega. Hop. Je vais y arriver. Oh, oh, oh. Rapide comme l'éclair, tu dessines ce plan pratiquement les yeux fermés. Ouais, j'aurais pas dit comme ça. Mais oui. On va dire que c'est ça. Travail, oui. Le marteau, merci. C'est quand même mieux. Mets ton petit déjeuner, je t'en ferai un autre, casse pas les couilles. À pouvoir casser des blocs. Je suis le roi des bâtisseurs. Toutefois, en ce monde vivait un bâtisseur de légende. Lorsqu'il découvrit cette île, l'île de l'éveil, il décida d'en faire un paradis sur terre. Oui. Du coup, est-ce qu'on parle du bâtisseur du premier Dragon Quest? Enfin, du premier Builders. Que la volonté du bâtisseur de légende incrustée dans la roche. On t'a entendu la venue d'un nouveau bâtisseur qui ramènerait ce lieu à la vie, bloc par bloc. Tu veux que Paxès cherche de tout le travail? On sait même pas ce qu'on doit construire. Eh bien, c'est très simple. Tu dois reconstruire le monde entier. Ah, donc l'île m'appartient, mais réellement, en fait. Bon, bah c'est cool. Bah, au pire, je suis sûr qu'à un moment ou un autre, on pourra fabriquer un bateau. On doit reconstruire le monde. Lululand, non? Création de l'Empire funeste de Malroth. Bon, et ben on appellera ça l'île de Cocolint. Ah oui, du coup, ouais. Waouh.
nul. C'est une surprise. C'est un panneau minable, mais non, ce n'est pas n'importe quel panneau. Dimension parallèle. Ah oui, d'accord, c'est pour truc en réseau, ouais. Ok. J'accepte, biatch. Oui, j'ai cru que c'était un tableau de quête au début, mais... Au final, c'est pas le cas. Wow. Ouah, ça charge. Ouah, il y en a, ils se font des dires. Bon, par contre, il y a des trucs, ça risque peut-être de me spoiler, donc faut que je fasse gaffe. Mais il y en a, ils se font des délires. Putain. Ok. Ah oui, non, mais clairement, ouais. C'est juste que là, on m'a obligé à voir le truc, tu vois. Bon, super. Je pète tout. Je vais tout casser. Si vous touchez au fruit de mes entrailles. Allez, maintenant, je vais refaire ce que je veux. Un gros problème. Quoi donc? Un crément de matière première. Personne ne peut courir à... construire un palais à base de varek et de coquilles. Ouais, putain. Les récolter ailleurs? Mais comment je fais? On est coincé sur cette île de mort? Il travailleur. Et comment veux-tu qu'on fasse ça? Et là, un bateau. D'accord. C'est chef du parti travail. L'esprit gardien de l'île. Ok, d'accord. Bon bah, on va explorer. Ah mais la maison, c'est pas un point de téléportation? Ah, faire tout redescendre. Ok, d'accord. Bon, est-ce qu'il y a des dégâts de chute? Bah, ça revient assez vite. Ok, merci. Ton escalier de tes morts. Ouais, je pense que c'est ça. Ah oui, lui, en un coup, il pète les trucs, d'accord. Plancher. Et puis après, du coup, on va devoir créer un village, tout ça, d'accord. Ah, ici. Ah,
Merci, donc on peut bien taper les trucs en dessous de nous. Voilà. Je casse tout. Je casse tout, moi. Y'a quoi? Quoi, c'était encore une référence à Minecraft que tu faisais, Curie? Choisi de détruire le monde exactement. Parce que c'est quand même beaucoup plus marrant de détruire le monde. On s'amuse beaucoup plus. Par contre, les coups de marteau sont vraiment ridicules quand il fait ça. Bon, par contre, je peux pas tout casser non plus. Il y a certains trucs certainement qu'il y a un niveau de marteau supérieur ou genre un marteau en métal ou quoi. Parce que là pour l'instant c'est pas ouf. Ok, donc ça c'est intéressant. Je casse tout. Non, j'ai pas dit ok Google. Ouais, on récupère tous les matériaux qu'on peut. Barbe brune. C'est compliqué. Le Lululand. Non, ça s'appelle pas comme ça. Mille babors. Putain. Marin d'eau douce. Oh, t'as vraiment une vieille tête. Ah, il fera la navette. Ah, trop sympa. Vous ici? Bah oui, c'est ça. Il va falloir qu'on crée toujours plus de choses. Bon bah allons-y hein. Waouh! Il y a un ver géant. Ah d'accord, ok. Oui. Elle va pas venir avec nous, c'est ça? Oui, mais non. Ah oui, du coup, elle a peur de reprendre un bateau. Oh, en même temps, vous faites chier, madame. Parce que voilà, nous on est. En même temps, on se débarrasse de Lulu. Enfin, c'est juste la vie de Lulu qui est en jeu. L'Empire funeste de Malrose, mais putain. C'est ni l'Empire funeste de Malrose, ni Lulu Land. C'est Cocoline. Allez, on prend la mer. C'est pas la mer qui prend l'homme, c'est l'homme. Non, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme.
Le seigneur de la destruction s'est lié d'amitié avec un bâtisseur. Oh! Donc ce serait le vrai Malroth? Oh, mais ils mettent 4 ans à passer ces putains de dialogues! Les voies distances sont impénétrables, ni monstres, ni humains ne peuvent lui échapper. Ta-ta-ta! C'est bon, j'ai eu le temps de le dire 15 fois ton dialogue. Il faut construire toujours plus. Il faut plus de gaz à peine. Il n'existe qu'un seul être capable de sortir ce monde de l'oubli. Malroth, le seigneur de la destruction. J'arrive de me douter que vous n'étiez pas grand pop. D'ailleurs, le changement de taille de voix et de couleur de cheveux aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Et il faut dire que tu n'as jamais jeté une flèche. C'est long. Sur les flots. Là, vous voyez pas, mais derrière ma caméra, il y a marqué sur les flots. À travers les plaines. Verchamps. La terre à nature fertile. Donc ici, il va y avoir de la verdure. Ah. Bisous, Pixa. Bonne nuit à toi. Je suis pas trop tardé non plus, on joue encore un petit quart d'heure et puis... Et le parc safari, vite. Oh, c'est vers gazon. Tu peux capturer un cradopo? C'est bizarre, j'ai l'écran en bruit. Je casse tout! Je casse tout! Moi j'ai peur de rien! Tiens, ton ponton là, je le défonce! Tiens, plus de matériaux! T'inquiète pas, je fais du recyclage! En fait, c'est ça! Je détruis pas, je recycle. Je disperse, je ventile. Ah oui, du coup j'ai perdu tous mes matériaux. Ah, il faut tout que je refasse en fait. Ils sont où tous les matériaux que j'avais obtenus? Attends, ça me les a enlevés. C'est un scandale. Tu commences chaque kill à zéro. Ah oui. Sorcellerie. Ah voilà, des lianes, il me semble bien que je pouvais récupérer ce truc-là. Ça, je peux le casser. D'accord, très bien. Voilà, donc, première chose, hein, quand on arrive sur une île, tout péter pour savoir comment ça marche.
avant, pendant que Malrod s'éclate. Mais c'est moi où il y a du Doku partout. Oh mon dieu. Ça ressemble à un monstre. Qu'est-ce qu'il fait ce con? Ah oui d'accord, donc c'est les monstres qui... Au secours! Vite, allons sauver la veuve et l'orphelin. Allons sauver la veuve et Raffarin. Ah oui, du coup, ouais, y a les trucs où tu peux faire deux poteaux à la suite. Choisir que ça se ligne ou pas. C'est marrant quand même qu'ils aient réussi. Bon, après, encore une fois, j'ai jamais joué à Minecraft, je connais un peu de loin parce que voilà. Mais qu'ils aient réussi vraiment à avoir leur formule à eux au final. Ce que j'ai compris, ça reste quand même assez loin, assez différent de Minecraft, donc c'est cool. Version Terre d'Abondance. Au revoir, tante. Je casse tout, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ah d'accord, donc les... ouais, tu peux grimper sur les... liens. Bon, hop. On va aller aider les gens. Ah! Ah, et du coup, ils donnent des matériaux, les monstres. Ça, c'est intéressant aussi. La bagarre! Par contre, c'est assez long de monter le niveau. Est-ce que le marteau fait plus de dégâts? Ça, c'est la vraie question. Puis surtout, à mon avis, avec tout ce que j'ai récupéré, il y a peut-être moyen de se faire une nouvelle arme après. Mais j'imagine que de toute façon, il faut que j'ai la recette. Est-ce que... alors, est-ce que c'est possible... en moins bien. Est-ce que c'est possible de... non. Ah non, c'est de la merde en fait. Est-ce que c'est possible de crafter des trucs sans avoir les... tu dois avoir la recette, ok. C'est bien, il a deviné sans que je finisse ma phrase, c'est beau quand même. Ça c'est un vrai ami. On n'a pas besoin de parler, on se comprend. Allez, mangez vos grands morts. Yeah! Pourquoi vous parlez aussi mal des gens, Malrod? Qu'est-ce qu'il vous... à quel moment il y a un truc à pas? Mais regarde, en plus, c'est Lucas! Ou c'est à râler, c'est au choix. Les monstres, ils ont disparu. Respecte pas, allez. C'est Arale ou Bulma enfant.
Ah, c'est nous qui t'avons sauvé en fait. Bertie. Harley Davidson. Malrod la nazique et toi? Paxel l'apprenti bâtisseur. Ah genre c'est dangereux d'être bâtisseur. En même temps, je suis un super Saiyan Blanco, moi j'ai peur de rien. On peut pas faire des omelettes sans briser des règles. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Bah je te suis. Wow. Attends, mais je casse des trucs. Oui, bah j'arrive, c'est bon. Oui, je viens. Je vais et je viens. Est-ce qu'on peut avoir un bouclier après pour avoir une garde? La ferme de Verchamp. Non, le plus verdoyant et le plus agréable de toute l'île, ça vous plaît? Ouais. Ouais, verdoyant. Ouais, je sais pas si c'est le... Ça ressemble pas vraiment à une ferme. On l'a pas encore construite. Ah, bah du coup, dis pas que c'est une ferme alors. C'est honteux. Les germes physiques sont apparus, les terres se transformant en une bouillie collante et dégoûtante. Même l'herbe a du mal à pousser. Mais oui, on va te la construire ta ferme. Putain, ouais, tu ferais massive en gros. Quoi? C'est quoi le contexte? Ah, c'est ces sales bêtes là. Viens, Philibert! De pouvoir faire quelque chose. S'il nous reste de blé, ne partons pas de la terre. Nous avons à peine assez de terre arable. Je m'approcherais pas autant si j'étais vous, monsieur Augustin. Germes méphitiques pourraient vous exploser à la figure. Ah putain, c'est Satan. C'est Mister Satan. Oui, alors si votre établi. Moi j'avais un vieux établi tout pourri, le vôtre il a l'air cool. Mais si j'ai envie de dire que je suis bâtisseur, je viens vous aider. Je suis Super Saiyan Blanco. Bordel. Ich bin el Super Saiyan Blanco. Mais non, c'était pas un rêve. Oh. Ouais, c'est quoi les espoirs et les rêves, putain? Je suis trop dark. Oui. Hein? J'ai une nouvelle recette. C'est ça. Voilà, on crée ton épouvantail. J'ai trouvé une nouvelle recette. That's it. I've come with a new recipe.
D'accord, faisons comme ça. Oui, non, mais t'inquiète, j'ai déjà ce qu'il faut parce que je suis prévoyant. Hop. Hop. Et voici ton champ. Ouais, du coup, en fait, à chaque fois, t'as des éléments qui déterminent un sol particulier, enfin, de quoi ça sera constitué, etc. Bon. Bon, et bien, il faut attendre que Bertie ait labouré le champ. Bon. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Ah, c'est sympa de faire un petit live de nuit comme ça. J'essaierai de vous en refaire. Bon, évidemment que les soirs où justement je travaille pas le lendemain, parce que sinon faut pas déconner. Mais oh, attends. Oh, j'ai récupéré un objet étrange, mais qu'est-ce que c'est? On dirait un petit cœur. Il y avait beaucoup de cœur à l'ouvrage. Tu souris jusqu'aux oreilles. En fait, j'ai l'impression que mon perso, il doit avoir une tête de gogol. Ouah, son Kokoro s'est manifesté. Les points de gratitude. Bon, arrête de me montrer des trucs, là. J'aimerais bien pouvoir sauvegarder, arrêter de jouer. Bon, voilà, donc je disais... La prochaine fois, on verra comment on va réussir à ramener la verdure à Verchamp pour qu'il récupère son nom. Et sur ce, donc, on va sauvegarder. Hop, ça sera notre Builders 2. On va sauvegarder. Je vais vous souhaiter une bonne nuit. Peut-être que je streamerai jeudi soir, mais à des horaires normaux. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très bonne nuit. Et je vous dis à la prochaine. Bisous. Bye.